Salut tout le monde, c'est Masty0300, j'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour l'épisode 2 de notre aventure suivie sur Underground. Et aujourd'hui, nous allons redescendre dans les cavernes en espérant cette fois trouver du charbon. Voilà. Bien entendu, entre-temps, je suis retourné à la base comme prévu, car j'ai retrouvé l'entrée, cette magnifique entrée que j'ai loupée comme un gros débile, et je suis passé, je ne sais pas combien de fois, à côté. Voilà, vous aurez une petite image au montage d'où était l'entrée. Donc moi, je l'ai pas vu comme un con, et certains m'ont dit, ah, t'as loupé l'entrée, etc. Bah, j'ai loupé l'entrée, oui, je suis un boulet, mais écoutez, hein, on ne peut pas tout voir quand on joue, hein. Parce qu'il faut aussi savoir que quand on joue, et quand on regarde une vidéo, on ne regarde pas forcément au même endroit que celui qui joue. Il y a eu beaucoup de répétitions dans cette phrase, je dois vous l'avouer. J'espère qu'aucun prof de français ne regarde mes vidéos, sinon il risque de péter un câble. Bref, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, eh bien on va redescendre dans les cavernes, et cette fois je vais essayer de pas me paumer en mettant... en faisant comme la technique du petit poussé, voilà, en posant des pierres, tout simplement, par terre. Voilà. Si j'ai pas de temps, je vais être obligé de faire comme ça, de toute façon. Je sais, c'est un petit peu la méthode noob, la technique noob, mais je vois pas comment je peux faire autrement. Ouais, je vais pas pouvoir casser ces feuilles, mais c'est pas grave, elles disparaîtront toutes seules. Voilà. Paf, 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 alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Alors déjà, on va commencer à faire... Oh purée, ça m'énerve. Je vais toujours pas m'habituer à ça, ça va être très pénible. On va commencer à se faire... à faire fondre notre fer. Et avec le seul charbon qu'on a. Et voilà. Tout simplement. J'aimerais bien quand même en trouver. Il y en a pas au plafond, par hasard? Oui, je sais, ici, il y a du fer, c'est bon, pas à peine de le dire. Mais il n'y en a pas quelque part du charbon? Enfin, tout de même, c'est complètement... C'est débile, enfin... Bon. Écoutez, moi, je vais pas chercher à comprendre, ma foi. Hein. On va faire chauffer tout ça. On va se refaire une pioche. Deux pioches. Trois pioches. Non, non. On va faire que deux pioches, hein. Ça ira pour le moment. Si besoin, on remontera. C'est pas grave, tout ça j'en ai totalement rien à foutre. Je vais poser quelques trucs dans le coffre parce que bon, il y a des trucs que je me sers pas, comme par exemple ça, ça. Ça, 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 ça. On va quand même garder quelques planches, quelques sticks. Plus de planches peut-être. Voilà, quelque chose dans le genre, ça ira bien, je pense. Ensuite, Flint, on s'en fout, mais le gravier aussi. Pelle, on garde. Ça. J'organise un petit peu mon inventaire. Voilà, le char. Voilà, j'ai 8 fer, c'est pas mal. Est-ce que je commence à me faire un stuff ou pas? Avec 8 fer, qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon? On peut se faire un fut, il me semble. Ouais, je sais pas ce qui est le plus important. On va peut-être quand même se faire des pioches en fer. Enfin, une pioche en fer. Oui, je sais, je suis débile, j'ai fait des pioches en pierre juste avant. Mais je suis en train de penser que si on voit le redstone ou d'autres conneries dans le genre, ça serait bien de pouvoir l'équipérer. Donc, on va faire une pioche en fer. Et avec le peu de fer qui nous reste... On va rien faire. On va y mettre dans le coffre. Voilà, mais on va de toute façon creuser avec les pioches en pierre. Comme pareil pour miner, etc. Pour miner les conneries telles que la cobblestone ou même le... Bonjour monsieur. Ou même le... Le fer, voilà, on y arrive.
Alors, il y en a sûrement derrière l'écran qui doivent crier: mais mec, t'as des défis, il faut tuer des zombies à main nue, etc. Pourquoi tu l'as tué à l'épée? Tout simplement parce que j'ai pas envie que ça recommence comme dans Atlantis, c'est-à-dire que je meurs comme une merde dès le début. Ça, j'avais dit durant l'épisode 1, mais bon, certains vont pas s'en rappeler, donc du coup, je tiens à le repréciser. Voilà, par contre, le fer, c'est cool qu'on en ait, mais je voudrais juste du charbon en fait. Ça serait juste un petit peu cool. Hein. Parce que bon, le fer c'est cool, mais le charbon c'est cool aussi. Pour faire chauffer tout ce qu'on a besoin. C'est quoi ça là-bas? C'est du lapis, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Donc ouais, pour faire chauffer tout ce qu'on a besoin, c'est pas mal aussi. Et pour faire des torches et pour pas se paumer, c'est bien aussi. Bon, là je sais à peu près le chemin de toute façon. Voilà, c'était ici, cette fameuse entrée là. Donc, je vois pas comment on peut se repérer en fait. On va mettre de la bouse. Hop. L'entrée est ici. Voilà. Je pense que là, je comprendrai si je suis pas trop con. On va juste sécuriser un petit peu le truc. Voilà. Histoire 2. Alors, l'objectif d'aujourd'hui est de trouver du charbon. Et puis, c'est tout. Voilà. On n'a pas d'autre objectif. Alors ici c'est quoi? C'est de l'or. Bien. Un autre défi de réaliser. Tech. Là, on a encore du fer. Toujours plus de fer. J'entends une araignée. Ça me plaît pas beau. Oh purée. Ça me plaît pas beaucoup, donc je disais. Bonjour. J'en fais des vidéos de tombées de squelettes. Oh, t'es mort. C'est dommage. What? Bonjour! Ah, ça, une araignée des... C'était quoi ça, une araignée des cavernes ou... Non, je ne sais pas, je sais même pas d'où elle est tombée, c'est pas grave. Donc mon fer, est-ce que je l'ai eu? Non, je sais qu'il y a lui là. Oh, j'aimerais le récupérer, d'accord, fail. Oh. Putain, mais vous vous foutez de moi là, c'est une blague. Vous me trollez, c'est ça, hein? Voilà, merci. L'autre morceau de fer, pardon, je ne sais pas où il est tombé, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je m'en contrefous. J'explore, en espérant trouver du charbon, parce que là ça commence à devenir un peu chiant. Ok, il y a du fer, mais bon, il faudrait du charbon, quoi, juste du charbon. La ressource la plus facile à trouver dans Minecraft, du charbon, quoi, j'arrive pas à en trouver. C'est n'importe quoi. Et oui, je ne fais pas la technique du petit poussé que j'ai dit en début d'épisode, mais c'est pas grave. Oh non, mais shit quoi! C'est pas possible! Non mais. C'est une blague, c'est pas possible! Oui, je creuse n'importe où. J'ai de l'espoir. Non, mais c'est vraiment du. Non, je suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas du tout d'accord. Je viens de remarquer comme un gros débile que je venais de mettre le minuteur, pas comme dans le premier épisode. Mais je n'avais pas programmé 20 minutes, mais 20 heures. Chapeau, champion! Oh putain, il m'a fait peur l'enculé. Oh le bâtard. Je viens de voir que j'ai plus de bouffe. J'ai une rotten flèche. Ben, je vais aller loin avec ça. Ah purée, mec. Putain, en plus je suis empoisonné, donc je vais pas bouger d'ici. Pour l'instant, je vais reprogrammer mon timer. Hop là, encore 12 minutes. Donc pendant 15 secondes, on va essayer de pas bouger pour pas perdre trop de bouffe. On va faire la technique F5, F5 pour voir s'il y a personne derrière nous. Et il y a un squelette tout là-bas, mais on va pas aller le déranger. Hunger, tu finis de te terminer. Merci. Attendez. Si je vous dis que je suis paumé, ça se... Vous m'en voulez? Non, je sais que je suis pas paumé, 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 je sais que je suis pas paumé. Je suis paumé. Non, je ne suis pas paumé. Attends. J'ai dit qu'il y avait de la bouse. Ça, je me rappelle de ce bloc que j'ai posé. Putain, je vais pas y arriver. Voilà, c'est ici. Oui, je me suis pas paumé. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est, on va pas essayer de trouver du charbon. En fait, on va tout de suite
faire de l'agriculture et essayer de faire pousser du blé, etc. pour avoir de la bouffe. Parce que si on va dans les cavernes comme ça et que notre vie se restaure pas, ça va pas vraiment le faire et on va être en difficulté sous peu. Alors hop, on remonte, on enlève le filtre de la lumière, voilà, c'est fait. Et parce que je dis en même temps ce que je vais faire au montage sur Sony Vegas, où il y a un petit peu la coordination de mes paroles et de mes mouvements, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, est-ce qu'on a de la bouse? On a 14 de bouse. Soit. Et on a 3 doses, ce qui nous fait 3 bonnes mille, ce qui nous fait 9 bonnes mille. Ce qui nous fait de quoi nous faire un petit champ. Je suis en train de réfléchir un truc. Comment on va s'arranger pour faire ça? J'aurais bien envie de prendre la ressource qui est là et la foutre au milieu. Bon, je dois vous avouer qu'au début, je vais faire un truc moche, hein, ça va pas être très esthétique. Non, j'ai quand même essayé de faire un truc beau quand même. À vrai dire, avant de tourner cet épisode, j'avais pas du tout pensé à la chose, et je ne sais donc pas du tout comment je vais m'organiser pour faire ça. Bah écoutez, on va faire très simple. Voilà, c'est qu'on va faire ça ici. Voilà, hein, c'est totalement de l'improviste. Ça va jusqu'où l'eau? Elle va jusqu'ici. D'accord, bien. Il y a les éboueurs qui passent chez moi. J'espère que vous n'entendrez pas la sirène. Enfin, moi, je sais même pas si c'est un éboueur. Hein. Je sais pas du tout, en fait, à vrai dire. Hop, hop, tic. Je suis en train de réfléchir en même temps, les amis, pour pas que je fasse trop de bêtises, que je m'en veuille par la suite, ça c'est bête. Voilà. Ici, on va quand même mettre un bloc de bouse. Tech. Ici aussi. Et ici aussi, ma foi. Voilà, de toute façon, la bouse, c'est pas ce qui manque aux alentours, n'est-ce pas? Après, pour faire. Non, en fait, je pense que je vais carrément tout recouvrir de bouse. Enfin, le plus possible que je vais pouvoir. Puisque je vais tout simplement commencer à utiliser le bloc de grâce pour que la grâce, justement, se répande aux alentours. Et je suis complètement stupide puisque j'ai une pelle, hein, je le rappelle. Et que je peux donc casser la terre plus facilement. Et voilà. Quand tu veux pas trouver un truc, tu le trouves. Merci Seigneur. Bon, avec deux charbons, on va pas aller loin quand même, hein, je t'ai précisé. Je vous remercie Seigneur, mais juste un petit peu, hein, parce que ça aurait été bien que j'en ai un petit peu plus quand même. Ici on a de la clé, c'est cool. Pour l'instant j'avais pas besoin, à part pour le défi, qui est de collecter 4 stacks d'argile. Mais bon, pour l'instant je m'en fous. D'ailleurs j'en pensais que j'ai pas noté le défi de l'or fait dans l'épisode 2. Tech, voilà. Pareil, les défis seront mis à jour dans la description de chaque épisode. Comme ça sera plus facile pour vous de les suivre, même s'il y aura toujours en haut à droite de votre écran le nombre de défis réalisés jusqu'à maintenant. Voilà, vous avez sûrement dû remarquer ce système-là depuis déjà le premier épisode. Bon, on a un stack neuf, pardon, de terre, donc je pense que ça va aller. Notre arbre a poussé, on va le récolter. Enfin, on va récolter son tronc, du moins, parce que les feuilles, on s'en fout un petit peu. À moins qu'elle nous donne une petite pomme, ça serait bien cool. Que je puisse restaurer au moins un petit peu ma barre de faim. Et ma vie, si possible, si l'arbre veut bien me goûter assez de pommes. Ça serait cool. Et s'il veut pas, c'est un gros connard, tout simplement, voilà.
Bon, je sais que c'est un coup de chance, bien entendu, et que c'est un pourcentage de chance de tomber une pomme, soit... Bah, soit une pomme, soit rien, soit une pousse de sapling. Et que c'est pas la faute de ce pauvre petit arbre, et de ces pauvres petites feuilles. Eh bien, monsieur, vous êtes officiellement un radin. Voilà, tout simplement. Je l'annonce. Alors, hop. Là, par contre, ça va être très long, donc je pense que je vais mettre cette séquence en accéléré avec une petite musique de Many Hills, voilà, comme d'habitude. De toute façon, chez nous, sur la chaîne de Mastillon, on sait faire que ça. Quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne sait pas quoi placer pendant un événement très chiant, eh bien, on passe une musique très connue et aussi très chiante. C'est parti. Et on prend notre petit bloc de grâce et on le met au milieu et on attend que ça pousse. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Non, je déconne. Enfin non, en fait, je déconne pas parce que je vois pas ce qu'on peut faire de plus à part attendre que ça pousse bien tranquillement. Je vais juste tester un truc. Non, en fait, je vais pas tester du tout. Il me semble que si on utilise de la bonne mine, ça va que pousser sur l'herbe et non sur la terre. Il me semble bien, donc on va pas l'utiliser tout de suite. Et il faut savoir bien entendu que je vais agrandir cette passerelle dans les prochains épisodes, ou tout de suite d'ailleurs, ouais, je... Tout de suite, voilà, je vais en profiter. Hop là, voilà, j'espère que ça a pas changé par rapport aux anciennes versions. Enfin, aux versions actuelles, parce que sinon j'aurai le seum. Car je le rappelle, je suis en 1.2.5. J'ai plus de pioche. Ça tombe bien, puisque j'en ai une autre. Donc, on va agrandir cette petite passerelle. Et ça m'inquiète un peu quand même que ça ne pousse pas. ça se trouve, je viens de faire une grosse connerie. Enfin, ça m'étonnerait quand même. Je suis pas stupide à ce point. Je crois. En fait, j'en sais rien du tout, ça se trouve, je suis vraiment débile. Ah, oh, purée, j'y crois pas. Moi qui pensais faire un truc bien dans cet épisode, et ben non. j'ai rien fait de bien, voilà, j'ai jamais rien fait de bien de ma vie, de toute façon, je suis un raté. Voilà, c'est, vous savez, le mec qui s'apitoie sur son sort, vous connaissez celui-là. Hein, votre ami, il y a toujours un ami d'ailleurs dans une bande qui s'apitoie à chaque fois sur son sort. Donc, pour qu'on lui dise des compliments tels que « Mais non, t'as pas, c'est pas ça, blablabla. » Enfin... Après, moi, je sais que personnellement, j'ai pas de pote comme ça, puisque ce pote, c'est moi. non, mais, enfin... Après, c'est un débat à débattre, mais je parle de ça un petit peu pour... Pour pas qu'il y ait blanc dans cette vidéo, mais c'est vrai que moi personnellement j'ai toujours eu connu un ami, après j'étais pas forcément avec lui, mais j'ai toujours connu un ami qui arrêtait pas de s'apitoyer sur son sort pour qu'on lui dise mais non, t'inquiète pas, c'est de la neige ça? Ah non, c'est de l'argile. j'ai eu peur. Pour qu'on lui dise des compliments, etc. Et pour qu'il se sente mieux dans sa peau. Enfin, personnellement j'ai toujours connu cet ami là. Après vous, je sais pas, ça sera débat dans les commentaires, pareil. En parlant de commentaires sur l'épisode 1 d'Underground, j'en ai pas eu tant que ça. Pourtant, j'ai posté la vidéo sur pas mal de forums, plus ou moins connus. 4 forums exactement que je citerai sûrement, enfin que je mettrai sûrement en sous-titre puisque je me rappelle plus. C'est tout à fait normal, hein, je peux dire le contraire.
Il faut un petit sticker, puis on prend tous les sticks, voilà. Tech. Mais c'est vrai que je pensais quand même avoir plus de retours que ça. Bref, c'est pas, je vais pas m'en plaindre. Oui, non, mais c'est bon, tais-toi le portable, je sais. La durée limite a expiré, seulement comme je veux passer une séquence en accéléré, je vais continuer de vous parler encore un petit peu. Voilà, et continuer encore et encore à miner du gravier. Parce que le gravier, c'est tout simplement génial. Voilà. On a aussi du charbon. Ça, c'est cool. Je détruis un petit peu tout, hein, je dois l'avouer. Où je l'avais vu, le charbon? Juste au-dessus de moi. Voilà. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Voilà, il y a l'air d'en avoir pas mal d'ailleurs. Donc, hop, on va aller le récolter puisqu'on en a bien besoin, n'est-ce pas? C'est quoi ça? C'est de l'argile. Bon, bah, on va récolter, écoutez, pendant qu'on y est. Hein. Et bah voilà! Là, il y en a du charbon! Voilà! Là, ça fait plaisir! Voilà! Et bah, punaise! Comment bien finir un épisode? Et bah, on trouve du charbon, voilà. Habituellement, t'es content quand tu trouves du diamant. Et ben moi, je suis content quand je trouve du charbon, tout simplement. Voilà. C'est cool. Sinon, sur ce, j'ai plus de bouffe. Hein, ça, par contre, c'est un petit peu moins cool, mais bon. Et l'herbe ne se répand toujours pas. J'ai très peur, je crains le pire. Je crains avoir fait une connerie. Si c'est le cas, c'est pas grave, je m'en regiverai une. Bon, on va quand même tester pour cette fin d'épisode. Non, vous voyez, ça marche pas. Donc ça sert totalement à rien. Donc sur ce, j'espère que ce petit épisode de Nogrone vous aura plu, ce deuxième épisode plus précisément. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, un petit commentaire et plus de commentaires, franchement, parce que voilà, les commentaires, c'est quand même bien, ça fait quand même toujours plaisir, hein. À vous abonner si c'est point déjà fait pour rejoindre la bande des Guacamole. Ça c'est pareil, je l'avais pas dit dans l'épisode précédent, parce que quand vous abonnez, vous rejoignez forcément la bande des Guacamole. Voilà. Et donc nous on se dit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde!